Comment ne plus avoir jamais peur du tout, mais vraiment peur du tout. Alors il faut savoir que la peur, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion psychique. C'est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est créé à l'intérieur de nous, ou alors que des personnes verbalement nous l'ont dit ou nous l'ont éduqué par ancrage. Alors tout simplement, on va partir du principe que c'est vos parents ou vos frères et sœurs ou vos amis proches qui vous ont dit « Ouh, ça, faut pas faire le vertige par exemple. » Ah, tu vois, quand t'es en hauteur et tout, non! Là, tu risques de tomber, attention, attention! Ils vous ont ancré cette peur. Le stress, l'angoisse, etc., etc. Tout est fait pour être, qu'on soit stressé, angoissé en permanence et tout. Et donc, du coup, de créer nos propres peurs. Donc, du coup, si on est, par exemple, si on a le vertige, qu'est-ce qui fait simplement que tu as le vertige? C'est la gravité, en fait. Si tu peux monter sur une échelle et que tu sens tout bouger et tout, comment ça se fait? Le vertige n'existe pas en fait. Donc je t'invite vraiment à casser tes peurs en fait. Va faire ce saut en parachute. C'est le lâcher prise tout simplement. Tu as peur, tu prends l'avion et tout, quand tu vas faire un saut en parachute, tu vas sauter dans le vide et tout, tu vas croire que tu vas mourir. Tu fais un saut à l'élastique, tu crois que tu vas mourir. Et là, à un moment donné, quand tu vas faire ça, que tu vas être dans le vide et tout, tu vas te rendre compte que non. Donc du coup, le vertige n'existe pas. Et ben, toutes tes peurs n'existent pas en fait. Tu as peur des serpents, pourquoi? On t'a dit, t'as regardé des émissions, qu'ils ont dit, voilà, ouais, les serpents c'est froid et tout, c'est méchant et tout, ouais, ça pique, ils ont un venin et tout, tu peux mourir et tout. Mais si t'as un serpent sur toi et tout, est-ce que tu vas mourir pour ça? Voilà. Donc du coup, n'aie pas peur. Les peurs n'existent pas en fait. Donc c'est toi qui t'es créé tes propres limites avec tes peurs. C'est une émotion psychique, tout simplement. Donc tes peurs, comment faut faire pour ne plus jamais avoir peur du coup? Tout simplement, c'est le jour où tu te rends compte que t'es vraiment dans la merde, que t'as plus rien à perdre, que là, tu sais et tu comprends vraiment que tu n'as plus à avoir peur du tout. Tu n'as plus aucune peur. Le jour où tu es devant le fait accompli, devant une montagne et que tu veux aller te suicider, le jour où tu dis j'en ai marre de la vie, tout le monde m'a pris la tête, tout le monde m'a fait chier, le monde entier était contre moi et tout, et j'en ai marre, et là quand tu cries devant le monde entier que tu en as tellement marre de cet univers et tout et que tu veux te suicider, et bien à ce moment là tu vas te rendre compte que tu n'as plus rien, ou tu te rends compte à l'intérieur de toi, mais qu'est-ce qui fait à l'intérieur de moi que j'ai envie de vivre? Voilà. Et donc du coup, tu veux te suicider et tout, mais non, tu n'y arrives pas et tout. Pourquoi tu as peut-être peur de passer à l'acte? Non, tout simplement, c'est pas ça. C'est que tu te rends compte que tu n'as plus rien à perdre et donc du coup, la peur n'existe plus. Et c'est à ce moment-là que commence l'éveil spirituel. Pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ce sera autre chose. Mais il faut passer par la souffrance en permanence pour élever nos consciences. Alors beaucoup de personnes ils vont dire non mais après la souffrance n'est pas obligatoire. Certes la souffrance n'est pas obligatoire pour s'éveiller, mais je dirais toujours en plus en mais, tant que tu n'as pas expérimenté la souffrance extrême, tu peux pas prendre conscience de toutes ces choses qui sont magnifiques autour de toi. Donc du coup voilà, si ça t'a aidé, si ça t'a permis d'avancer et tout et de te rendre compte et de prendre conscience de plein de choses, que la peur n'existe pas et donc du coup qu'il va falloir que tu travailles sur toi, sur tes propres peurs, voilà, et ben je t'invite à partager pour communiquer cette vidéo un maximum à toutes les personnes qui sont autour de toi qui ont peur. Et de t'abonner si ça te plaît et tout. Regarde mes autres vidéos. Ici, il y a un petit qui apparaît. Donc, regarde les sondages que je fais ou les prochaines vidéos que je fais. Voilà, tout simplement. Je te souhaite une excellente journée. Je te fais des gros, gros bisous. Bis, bis la famille. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.